Basile sur ce voyage. Salut à tous et bienvenue dans le second épisode de ce trip aux Pays-Bas. Je vous le fais dans les conditions du direct. Là, on est au bord de la mer, dans un endroit totalement inconnu. On y est allé totalement au hasard. Il y a des bateaux, il y a du vent. Il fait gris, il fait moche. Les gars, il n'y a pas du tout de vent. Vraiment pas du tout, regardez. Absolument pas de vent. C'est le grand calme. J'espère que vos oreilles vont bien malgré ce vent. Moi j'ai froid. Et je vous dis à tout à l'heure pour le match entre Groningen et le PSV Eindhoven. Là, aujourd'hui, on est à Groningen pour un nouveau match, pour découvrir un nouveau stade. Également, le match entre Groningen et le PSV Eindhoven, c'est dans quelques heures maintenant. Là, on va visiter un petit peu la ville de Groningen. On a été au nord tout à l'heure, il y avait énormément de vent, c'était un peu n'importe quoi. Là, ça y est, on est dans la ville de Groningen avant le match. Il commence à pleuviner, donc on va pas trop en faire non plus. On va se retrouver après au stade. Je vais vous laisser un petit peu avec la ville, vous parler un peu de ce qui fait sa spécificité. Et puis on se retrouvera après au stade. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc Groningen est une ville du nord du pays, des Pays-Bas, est une ville très étudiante, 200 000 habitants et un habitant sur quatre qui est inscrit à l'université. Il y a un habitant sur deux également qui a moins de 35 ans, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est très très jeune, ça se ressent dans cette ville qui est très dynamique. On est sur la place ici de Groningen, avec derrière la tour Martini, qui est l'église la plus vieille de cette ville, qui est très haute et que vous ne pourrez pas manquer si vous venez ici. Une place plutôt charmante, avec pas mal de choses pour manger. On est dimanche, il pleut pas mal. Cette ville elle a une spécificité, c'est l'une des villes les plus cyclistes du monde, avec 38% des transports qui se font à vélo. Vous pouvez en voir là pas mal juste derrière moi. À titre de comparaison, la ville d'Amsterdam, qui est elle réputée également pour ses vélos, a 22% de transports qui s'effectuent également en vélo. Donc c'est vraiment une ville particulière avec des vélos partout, des personnes assez jeunes et une tour là-bas juste derrière moi, de la pluie et du vent. On est bien dans le nord des Pays-Bas. Il est 13h30, on va chercher de quoi manger et boire un coup avant d'aller au match, parce que là il pleut, ça sert vraiment à rien de poursuivre plus loin cette visite de ville. Donc on va aller manger, c'est beaucoup plus important et intéressant. Je bourre. Thank you. C'est un low spices for the moment. Et on a pris de quoi manger. Je toujours pense à vous les amis belges. Les frites, valeur sûre, elles sont extrêmement bonnes. Extrêmement bonnes cette frites. Ah Valentin, c'est validé? Validé. Validé, très bon. I want just a calamari. A klein, small, small. Thank you. Thanks. Et le plus important, c'est de bien rincer son verre avant. Parce que sinon, ça mousse. Voilà, dernière étape avant d'aller au match. On se pose un petit coup en terrasse tranquillement pour manger des calamars et boire un petit coup. Tour de l'Ice Tea, moi je suis au travail. Hein. On travaille Ice Tea et bière tranquillement avant le match de soir. On se retrouve au stade juste après. C'est parti. Ça y est, on est arrivé, on vient de se garer. Il nous arrivait pas mal de petites aventures en arrivant ici, en voulant se garer. On cherchait un parking gratuit pour ranger la voiture. Et il y a deux stadiers qui nous ont indiqué des endroits pour se garer. On a suivi les directions. Et ensuite, les deux suivants ont vu qu'on était français. Ils ont cherché à nous faire payer, à aller nous faire garer sur les parkings du club. J'ai refusé, on est parti totalement loin. Donc là, on va marcher. Le stade est là-bas, juste devant, sur le côté. Il y a pas mal de vent, j'espère que vous entendez bien. Mais en tout cas, une arrivée un peu spéciale. J'ai pas pu filmer et vous mettre quelques extraits parce que on discutait avec les gens, on discutait, on négociait avec les stadiers. Et la caméra était dans le coffre. Mais là, ça y est, c'est parti. On va au match entre Groningen et le PSV. On arrive, on a une première vue sur ce stade de Hitachi Capital Mobility Stadion, qui a un naming, bien évidemment. Sinon, c'était avant 2018, c'était l'Euroborg Stadion. Franchement, ça sent pas du tout le foot. Il y a un cinéma, il y a une salle de sport, il y a tout sauf du foot autour du stade. Et c'est un vieux bloc blanc
avec quelques traits, quelques points vraiment. Vraiment, on dirait tout sauf du foot. Je vous laisse voir de vous-même et. Pff, pas terrible. Là, on fait notre tour habituel du stade et on va aller à la boutique qui est là-bas juste à côté pour essayer de trouver encore l'objet insolite de ce club. À force, on va avoir fait le tour, mais on va essayer de trouver. Enfin, dans l'épisode 1, on avait vu la sonnette pour vélo à Ehrenwin. Là, on a la pompe à vélo pour Groningen. Donc voilà, un petit objet insolite. J'avais jamais vu de pompe à vélo, mais là, on est dans la région du cyclisme. Je vous avais parlé de la ville la plus cycliste du monde. C'est logique, tout à fait logique. Là, je pense qu'on a réussi à monter à un niveau. On est sur le papier peint de Groningen. Ça, je l'avais pas, j'avais jamais vu. Celle-là, je l'avais jamais vu. Le papier peint, vous avez envie de faire votre chambre aux couleurs d'une équipe aux couleurs de Groningen. Eux, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Il y en a plus beaucoup, hein. Bon, je vous rassure, ici aussi, la sonnette est là. Donc ça y est, on sort de la boutique de ce club de Groningen et elle est vraiment validée. Il y a de tout, un peu pour tout le monde, pour tous les goûts, que ça soit de la tapisserie, des coques de téléphone, des choses pour ranger ses affaires, son repas du midi, des gels douche, tout un tas de choses. On a acheté le programme du match, 1,50€, c'est le souvenir qu'on se prend à chaque fois qu'on va au stade pour garder vraiment une trace du match qu'on va voir. Donc là, ça y est, on va chercher l'entrée 2 de ce stade de 22 500 places qui a été construit en 2006. Et on va rentrer dans cette cathédrale verte, comme elle est appelée. Ça y est, on est bien rentré dans ce stade du vert, comme j'en porte là, vous allez en voir pendant toute la vidéo parce que ce stade est ouvert. Ouais, on a place 7. Ça y est, on est à notre place, une place qui nous a coûté 32€. Dans ce stade, on est plutôt pas mal placé au 9e rang. Heureusement qu'il pleut pas par contre, parce que là on aurait été trempé, le sol est trempé. Il y a le soleil en face de nous, il vient de se pointer alors qu'il a plu comme vous avez vu dans le début de la vidéo. Plutôt bien installé, donc on va voir la fin de l'échauffement. Et là il y a le bloc ultra qui est juste à notre droite, qui va sûrement animer, et le parkage qui est là-bas au bout. À notre gauche, on l'entendra sûrement un peu moins. On va parler un peu de l'histoire de ce club de Groningen qui a été fondé en 1971, qui a joué la Ligue Europa. Peut-être que vous connaissez ce stade, puisque l'Olympique de Marseille a joué dans ce stade lors de la saison 2015-2016. Groningen était dans la Ligue Europa avec Braga, l'OM et Liberec. Ce club a également formé des joueurs importants. Je pense à deux, Ronald Koeman, qui est un joueur néerlandais très important, et également Arjen Robben, qui est encore plus important pour notre jeune génération, avec une formation ici à Groningen, avant de partir au PSV, club que Groningen reçoit aujourd'hui, avant d'éclore et d'exploser avec le Bayern Munich. Donc là, c'est la fin de l'échauffement. On avait été voir le PSV il y a quelques mois, vous pouvez aller voir, retrouver la vidéo que je vous mets là, juste là. Mitroglou avait été remplaçant, n'avait pas joué une minute, il est encore remplaçant aujourd'hui, on n'a vraiment pas de chance avec Kostas. On veut voir Kostas, rendez-nous pour les 22 acteurs, on s'apprête à rentrer sur le terrain, le PSV, le 3-4ème. C'est parti pour le match entre Groningen et le PSV Eindhoven. Il est encore bij de groep de opstelling van ons FC Groningen. Met rug nummer 1 onder de lat, Sergio Pat. C'est parti pour 90 minutes. D'ici
nord des Pays-Bas commence à pleuvoir. On risque d'être un petit peu mouillé ici, mais 0-0 entre Groningen et le PSV Eindhoven en Eredivisie. Allez, le vif, tu sors. Là, le cop ultra qui vient de déployer une petite banderole avec un message pour protester contre les sanctions collectives. On joue la 14e minute de jeu et 0-0. Et c'est Groningen qui se procure le plus d'occasions sur les buts du PSV. 0-0. Eindhoven sur sa première occasion, le club d'Eindhoven qui vient marquer un but avec Dumfries, le latéral droit et capitaine, qui trompe le gardien de Groningen, 1-0 pour le PSV. Quinzième minute de jeu, les premières frappes de loin et bel arrêt du gardien de Groningen, on a bien entendu le parquet. Plutôt bonne ici, à part à des moments où il y a des gros moments de flottement, où il n'y a plus personne qui chante. Il y a un bon bloc, mais pourtant, ça ne chante pas en continu, c'est assez perturbant. On entend même les joueurs quand ça ne chante pas, donc c'est vraiment, vraiment dommage. Et on entend très bien le parcage du PSV par contre. Entre Groningen et le PSV Eindhoven, on aura vu une mi-temps très très calme, très peu d'occasions. Le PSV qui domine et qui gagne 1-0 grâce à un but de Dumfries marqué en milieu de première mi-temps. On a vraiment pas vu beaucoup de choses dans ce match. Un club qui est assez calme, comme j'ai pu le faire remarquer, qui chante par moments et qui a un bon bloc, mais qui s'arrête totalement parfois. 1-0 pour le PSV qui a joué en marchant cette première mi-temps. On espère qu'il y aura une réaction avec une attaque qui va se passer juste devant nous de la part des locaux. On se retrouve pour le retour des joueurs sur la pelouse pour cette deuxième mi-temps. A tout à l'heure. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps dans le silence le plus complet dans cette cathédrale verte. 1-0 pour le PSV Eindhoven. On espère qu'il y aura un peu d'action dans cette deuxième mi-temps, avant notre retour et à cette fin de trip aux Pays-Bas. Ah, il faut les encourager. Dans ce genre d'attaque, ça résume vraiment le match. C'est très pauvre. Il y a très peu d'attaques construites, des vraies attaques. Très peu de gens. Là, on commence vraiment à s'ennuyer, hein, Valentin? On se chie. On se chie. On aime ça. On se fait chier, mais on aime ça. Quand je pense aux 5 heures de route qui restent après, il y a vraiment deux choses qui pourraient embellir notre match. Une égalisation de Groningen pour l'ambiance ou une entrée de Kostas. Oui, 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 Kostas. Vas-y, tu te sens comment toi aussi? Allez, come on, come on! Ça, c'est fun. Nope. Et ben non. Concentrez
16ème minute de jeu et enfin du danger sur les buts d'Enerstal, le gardien du PSV qui sort une manchette stratosphérique, vraiment magnifique sur cet enroulé du pied droit qui filait dans le petit filet pour 1-0 pour le PSV. Il reste une quinzaine, vingtaine de minutes dans ce match avec le temps additionnel. Donc on espère encore un petit but encore. Tourne à la réalité. Il a zéro frappe de toute façon. Ouais, c'est pas frappe. De balle. Lui. Et le 3. 3 frappes de loin arrêtées par le gardien du PSV. Ça commence à se préciser. 10 minutes de jeu encore à jouer. Mais non, par contre, ça non. De Goth. Costa. Phase de jeu là, il y a but. Oh, 39ème minute, toujours 1-0 pour le PSV. Après cette entrée de Costas, Costa d'ailleurs qui a le ballon actuellement, qui va réussir une passe. C'est noté, 0-1 pour le PSV. Voilà la fin de match ici dans ce petit Tachi Stadion entre le PSV et Groningen. Le PSV qui l'emporte 1-0 grâce à un but marqué en première mi-temps par le latéral droit et capitaine Dumfries. On se retrouve dans quelques instants pour conclure et donner mon avis sur ce stade, sur cette nouvelle expérience de grand opening ici aux Pays-Bas. Donc voilà, on se quitte ici sur cette superbe expérience qu'on a vécue dans un nouveau stade, un stade tout vert, le stade de Groningen, pour ce match entre Groningen et le PSV. Un stade plutôt pas mal de l'intérieur, de l'extérieur il est absolument horrible. On m'avait dit sur Twitter que c'était un le plus moche stade de l'Eredivisie et franchement c'est le cas. Et du coup on a vécu à l'intérieur de ce stade des moments d'ambiance, des moments très très calmes cependant. Une équipe de Groningen qui a pas beaucoup attaqué, qui a été très peu offensive et qui a logiquement perdu ce match contre un PSV qui a été plutôt tranquille, qui a marché la plupart du temps. On aurait eu la satisfaction de voir Costas Mitroglou rentrer en jeu alors qu'on l'avait pas vu lors de notre venue à Eindhoven la dernière fois. Donc ça c'est la satisfaction. Sinon ambiance plutôt mitigée ici à Groningen. C'était un peu mieux dans l'épisode 1 je pense à Eindhoven. C'était un autre match également. On a pu vivre d'autres choses. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à retourner sur l'épisode 1 pour aller le voir. Sinon, on se quitte dans ce stade. Là, j'ai 5 heures de route à faire pour rentrer en France, dans le nord de la France. Donc on se retrouve dans quelques jours, dans quelques heures ou dans quelques mois pour de nouvelles aventures dans d'autres stades de football à travers l'Europe. C'était les Pays-Bas, épisode 1, épisode 2. On se dit à très très vite. Abonnez-vous juste ici. Votre pouce bleu et à très vite. Ciao.